Monsieur Jutras, d'abord, nos condoléances pour votre sœur Mélanie, évidemment. C'est encore frais, ça fait à peine un an. Je comprends bien une poursuite judiciaire au civil, on l'a obtenue. Racontez-moi un peu l'état de santé de Mélanie, parce que je pense qu'elle avait un projet, je pense, pour perdre du poids, je comprends bien. Elle a regardé du côté public québécois, hein? Oui, les délais étaient 2 ans et demi à 3 ans, donc c'était trop long pour elle. Donc, elle a regardé un peu plus sur Internet pour faire un peu de recherche. C'est tourné également au niveau des cliniques privées ici. C'était beaucoup trop cher. Donc, il est venu, est tombé sur le site de Medicare Vacances, en fait, qui proposait, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, qui sont tellement, c'est des vidéos alléchantes là, qu'on nous propose un peu. On nous dit qu'il n'y aura pas de problème, que tout va bien aller. Ma soeur, elle a embarqué à pieds joints là-dedans. Puis elle voulait avoir aussi quelque chose là, qui n'était pas non plus dans des délais de 2 à 3 ans. Il y a finalement un contrat qui a été signé, je pense, en bonne et due forme. Absolument. Au mois de décembre 2022. Mais ma sœur a fait quand même des recherches là, depuis à la fin de l'été. Il fait en sorte qu'elle a signé son contrat à la fin décembre 2022 et s'est fait opérer là, la première chirurgie le 11 janvier 2023. Quelques jours après la, ou quelques heures, pardon, après la chirurgie, vous recevez la famille où Olivier, le conjoint, le veuf, reçoit un premier coup de fil. Oui. Ça, c'est toute une opération, là, je vous dis. On est encore stupéfait par rapport aux opérations qui se sont déroulées. En fait, la chirurgie a eu lieu le 11 janvier 2023, pour vous donner un peu l'idée. Toujours pas de nouvelles après. Vous savez, on a 6 heures de décalage avec la Tunisie. Ce qui s'est passé, c'est toujours pas de nouvelles de Medicare Vacances et de la clinique en Tunisie. Donc, il a pris ses démarches pour appeler lui-même. Et là, à la force de se faire accrocher ou peu importe, il a réussi à parler à quelqu'un, mais la vie de Mélanie n'était jamais en danger dans les correspondances qu'ils ont eues. Du moins, c'est ce que Medicare disait à l'époque. Exact. Alors, à 9h30, le président donc, de Medicare appelle mon beau-frère Olivier pour lui dire « Écoutez, il n'y a pas de panique, tout est sous contrôle, la santé de Mélanie, tout va bien, inquiétez-vous pas. » Et 2 heures plus tard, à 11h30, imaginez qu'il reçoit un appel du même président, donc de Medicare Vacances, pour lui dire « Maintenant, à peu près textuellement, qu'est-ce qu'on fait de la dépouille de Mme Jutras ainsi que de la paperasse administrative qu'on doit compléter ensemble? » Attendez, vous dites qu'on est passé d'un appel où il n'y avait pas de problème au niveau de l'état de santé de votre sœur et quelques heures plus tard, un appel pour dire Absolument. Qu'est-ce qu'on fait avec la dépouille de Absolument. Votre... Absolument. Alors, même encore aujourd'hui, on ne comprend pas les façons de faire de cette compagnie-là. Comment ça a pu arriver que quelques heures avant que tout allait bien puis que là, était complètement décédé. Donc... Il y a de là un certain détachement, une froideur, vous ne trouvez pas? Absolument. Moi, écoutez, c'est un peu la raison de la poursuite aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir des réponses à nos questions, malgré le fait qu'on demande d'avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est opéré, en fait, de la façon dont ça s'est déroulé. Et on a obtenu quelques descriptifs au niveau de l'opération, mais tout ce qui est le dossier médical, on nous le refuse même encore aujourd'hui, malgré le fait que c'est écrit noir sur blanc sur le site Internet que la famille endeuillée va pouvoir avoir, au niveau légal, tous les papiers nécessaires. Même encore aujourd'hui, là, c'est impossible pour nous de les obtenir. Alors, vous me dites concrètement, M. Jutras, que c'était pourtant indiqué avec Medicare qu'on devait vous transmettre un rapport médical complet du déroulement de la chirurgie. Au niveau des représentants légaux, donc absolument. Donc, à ce jour, vous n'avez jamais reçu le rapport médical vous disant ce qui n'a pas fonctionné. Exactement. Puis on doute vraiment là, au niveau après l'opération, le post-opératoire, là, si c'est bien déroulé et que ma sœur a eu vraiment les traitements nécessaires après son opération. Dernière question en lien avec justement la chirurgie. Ce que je lis dans la poursuite, c'est que selon vous, là, la famille et le conjoint, là, il aurait dû avoir au moins une batterie de tests sanguins pré-opératoire qui aurait dû faire parce que votre sœur souffrait d'anémie notamment. Absolument, qui était non contrôlée, ceci dit. Alors, c'est sûr qu'elle faisait confiance à Medicare Vacances. Hein? Vous savez, ça avait l'air d'une bonne entreprise comme telle. Mais par contre, elle souffrait, effectivement, comme vous dites, d'une anémie qui était non contrôlée. Donc, elle n'était pas dans les conditions optimales pour être opérée. Et ce qui entraîne une certaine faiblesse, je pense, chez le patient. Absolument. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que même les heures, on a reçu les documents une fois, là, le constat de son décès, bien sûr.
On a reçu deux rapports dans lesquels elle serait décédée à 8 heures du Québec et l'autre à 9 heures du Québec. Vous comprenez, il y a vraiment beaucoup d'anomalies. Et c'est un peu pour ça que la famille, aujourd'hui, on dépose cette poursuite-là pour avoir vraiment justice dans cette situation-là, mais surtout avoir des réponses à nos questions. Dernière question. Je vois que vous tenez près de vous les photos de votre sœur. Vous les tenez près de votre cœur. Cette femme-là, c'est une brillante femme, femme d'affaires, je pense, là, mère, en fait, aussi d'un enfant. Là. Entrepreneur, oui, 10 ans. Écoutez, Mélanie, c'était une femme qui aurait donné sa chemise pour les gens. Elle avait le cœur sur la main. Passait toujours en dernier. C'était quelqu'un qui, tout ce qu'elle touchait comme entrepreneur, était aussi une chanteuse. Elle aurait même pu faire Star Academy. Ah oui. Elle avait tellement une belle voix. C'était une dame qui voulait tout le temps rester dans l'ombre, mais tout le temps aider les gens qui étaient un peu plus démunis ou peu importe. Mais elle, c'est sûr que... Là, aujourd'hui, on revit 15 mois plus tard encore le deuil. Okay? On revit encore une deuxième fois notre deuil, mais on est content d'avoir aussi cette tribune-là pour dire qu'on ne veut pas d'autres vies enlevées en raison de vraiment des erreurs médicales qui peuvent avoir été faites. Et c'est pour ça qu'on comprend la douleur qu'une famille peut souffrir, mais on ne le souhaite pas à personne d'autre. Merci, M. Justra. Merci.